médailles en carrière. C'est un grand privilège d'accueillir Tessa Virtue. Happy to have you. Thank you so much for having me. Have a seat. Bon, Tessa me disait que son français est pas parfait. Alors, on a décidé d'avoir une petite pinotte dans l'oreille qui fait de la traduction simultanée. I'm working on it. Next time. Oh, next time. She's working on it. C'est vraiment un honneur de t'accueillir, Tessa, ici aujourd'hui. Oh, it's a pleasure to be here. Thank you so much. I'm such a fan of yours. Oh, thank you very much. Puis, je le disais aux gens, mais votre performance aux derniers Jeux olympiques, sérieusement, je suis pas obligée de le dire, là, c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. J'étais complètement chavirée, bouleversée, touchée de voir cette performance-là, la chimie entre vous. C'était magique. Et je lisais dans la recherche, je savais pas ça, mais que toi, tu as commencé à patiner à l'âge de 6 ans. Pas par passion, là. C'est qu'elle se disait, j'ai pas le choix. Elle voulait pas être la seule élève dans la classe qui patinait pas quand il allait faire des voyages ou des journées de patin. I was competitive quite early on, yes. Competitive, yeah. Oui, très compétitive. Yes. Tu as rencontré Scott à l'âge de 7 ans par l'entremise de sa tante. Et comme je dis, the rest is history. Well, we're so fortunate to have been paired at an early age. That rarely happens in our sport. And we grew up just 10 minutes apart. And we really worked on our partnership. We cultivated that code of respect and, you know, marriage counseling and sports psychologists and therapists and counselors, mental prep coaches. I mean, that was really the foundation for everything in our career. And we really learned to rely on one another. And that became probably the most fulfilling part of our almost 21-year career. 21 years, 21 ans de carrière ensemble. De la petite enfance à... J'ai su aussi que tu as habité Montréal pendant 2 ans. Tu es nouvellement retournée en Ontario parce que toi, tu viens de London, en Ontario. Et tu le dis, Montréal, c'est chez moi. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a charmée? Ça a été quoi ton coup de cœur pour Montréal? As soon as I landed and moved into my apartment here in Montreal, I mean, I'd visited the city quite often, but as soon as I was here full-time, it felt like home. I felt grounded and centered and so inspired. I mean, it's such a vibrant city. It's so rich with culture. And as someone who loves art and fashion, I mean, that's on every corner and you can find that in every sense of the word. And I was living in Little Burgundy. I mean, we were just so fortunate. And we were at that point in our career too where we needed to have the balance outside of the rink to feel like we were stimulated and having a lifestyle that sort of was satisfying on different levels. Right. You know, when we were teenagers training, it was better to be in a remote location because there were so few distractions. But we really seemed to find that balance where the energy of the city actually facilitated our training and really gave us an extra boost. Puis je sais aussi que la raison pour laquelle Montréal, c'est que tes entraîneurs, vos entraîneurs sont établis ici. Puis on les salue, Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon. J'imagine que depuis la fin des Jeux olympiques, Tessa, ça a été un gros changement dans vos vies, là, de revenir, d'atterrir, de se déposer dans la vie. Est-ce que ça a été difficile pour toi, pour vous? It has been quite difficult. I mean, after any kind of high like that, and I'm not sure how we'll ever match that level of intensity and thrill, there has to be a crash and there's a come down, physically, emotionally, mentally, of course. And you know, it was such a success story. It was almost a fairy tale with carrying the flag and the team event and the individual. But reconciling that and understanding then what it means looking forward and finding new goals and a new purpose has proven to be quite difficult. And it's a process, as any transition is in life. We're learning to rely on athletes who have also gone through this. We're not the only ones. No, but right. It's been quite challenging, and we're lucky. You mentioned our coaches, Marie-France and Patrice. We're still working with them and here in Montreal creating some new projects, and that's been nice to sort of reconnect with the people who supported us and guided us throughout the competitive season as well. You talk about looking forward. Hein? Tu parles de regarder en avant. Vous avez quand même développé quelque chose d'extraordinaire, Scott et toi. C'est la tournée The Thank You Canada Tour. Ça, c'est votre bébé, là. C'est ça le futur pour vous. It is. Et c'est quoi? It's,
You know, we're going coast to coast, starting in Abbotsford, BC, and making our way all the way out to Newfoundland, doing 30 cities and performing a show that we think is different and exciting and hopefully showcasing skating in a way that has never been seen in the entertainment realm before. You know, with the team event in Korea, the Canadian skaters experienced something so special together, and bringing home the gold medal for Canada was exhilarating, to say the least. And we received so much support, you know, from all over the country for such a long time. And this is sort of a way to say thank you. And so it's a show, c'est un spectacle. It's a show, sur yes. glace avec plein de collaborateurs. Yes. Et donc, vous allez tourner partout à travers le pays. Et je sais aussi qu'il y a une nouveauté dans ta vie. Tu es devenue la première ambassadrice canadienne de la marque allemande Nivea. Et donc, beauté, pour en parler, notre reine de la beauté, Lynn Sainte-Marie, viens donc. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Je pense, Lynn, d'abord, on devrait poser la question à Tessa. Tu sais, ça représente quoi pour toi d'être ambassadrice de Nivea maintenant? Well, Nivea, I mean, it's just part of our everyday lives, isn't it? It's just that household product that you love, you trust, it's quality. And to be associated with the brand has been such an honor. I mean, it's important to me to partner with sponsors who have the same values and the same sort of mission statement. And there's so much that I love about the company, not just the products, but even more importantly, what they stand for. Ben oui, ça fait une compagnie qui a plus de 100 ans, qui a eu 100 ans en 2011. Donc, c'est vraiment une belle histoire avec laquelle on a grandi. Et vous portez beaucoup de maquillage quand tu voyages, quand tu fais des spectacles. Comment tu arrives à prendre soin de ta peau et à avoir une si belle peau? Oui, rituel beauté, j'imagine. Hein? On a tous nos rituels de beauté. I have to admit, I'm not that kind to myself, considering the conditions I have to put my skin under. I'm sweating all the time, I'm in a freezing cold rink, and I'm traveling. I spend most of my time now on airplanes or in hotel rooms. And so it's important to make sure that I get the moisture and the nutrients. And with the Q10 plus C, I mean, it's just everything's covered. But my mom taught me early on to use as few products as possible and to touch your face as little as possible. C'est un très bon conseil. Keep it simple, and I make sure that when I travel, I don't wear makeup. Qu'est-ce que vous avez comme routine? Qu'est-ce que tu as comme routine le matin et le soir? Tu démaquilles, tu hydrates? Wash with warm water, lots of moisturizer. Have you tried the Care lotion yet? She's tried everything. And I'm so excited because I think you'll be able to do it. It's just, I mean, it doesn't get any better than that. It's not greasy, it's just so smooth. And Très simple. Exactly, exactly, yeah. Et là, vous avez découvert tous ces beaux produits. Est-ce que vous avez des chouchous, des produits préférés? C'est ceux-ci, je crois. Well, the micellar water is just... Oh, micellar! Elle est... Right? Mais elle est extraordinaire, celle-ci. Elle laisse aucun résidu, elle est pas... C'est vraiment extraordinaire, elle n'a pas de parfum. C'est vraiment très naturel. And you don't need water. I mean, you just... It takes off all your makeup, no residue, you're right. It's just not greasy. And I feel so fresh. It feels like my skin can finally breathe when I use the Nivea. Oui, puis tu peux enlever tout ton maquillage de spectacle avec une petite eau micellaire comme ça. C'est vraiment un produit extraordinaire. Et la crème hydratante aussi. Donc ça, c'est vraiment tes chouchous. Le trio. Oui, les choix de Tessa. My favorites, yes. Donc, ce produit-là, c'est pour corps et visage aussi. Yes, yeah. Donc, c'est des produits vraiment très simples, très naturels, très faciles à utiliser, hein? User-friendly. Exactly. Very, very and it smells so lovely and... You know sometimes those creams that just feel greasy or especially when it's warm out, then your pores are all clogged. You just don't get that feeling with the Care at all. And Nivea dans notre vie depuis tellement longtemps, nos mères. Nos grands-mères, 100 ans, ça fait longtemps qu'on connaît. There's that generational connection. Nos mères l'utilisaient, le petit pot bleu et blanc qui est devenu emblémique de la marque. Donc, c'est vraiment une belle association. Pour tous les Canadiens, on a grandi avec cette marque-là aussi. Yes, that's right. En tout cas, moi, je peux dire qu'ils ont une belle ambassadrice parce que je pense que tu es une fille inspirante. Tu inspires le dépassement, la passion. Je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi. Elle est tellement belle et magnifique. Tellement belle. Merci vraiment beaucoup, Tessa. Such a pleasure. Oui, I wish you all the best. Merci. Vraiment, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Puis bravo, vous êtes vraiment une grande fierté. Scott et toi, vous nous avez fait honneur vraiment de façon magistrale. Puis on est assez fiers. Merci. Merci. Bonne journée, Tessa. Merci.
cadeau. Oui, on a un cadeau, c'est pour vrai. Hey! Je vais me faire chicaner. Ben oui, offrez à votre peau l'hydratation intense dont elle a besoin avec le nouveau Soin Care de Nivea. C'est une crème multi-usage pour le corps, les mains, le visage. Absorption rapide qui ne laisse aucune sensation de gras, c'est ce qu'elle nous disait. Elle nous disait, et de plus, ben, vous combinez cette crème-là au démaquillant sans résidus Nivea micellaire. On l'a dit assez souvent, nous autres, dans notre émission de 4 ans. Oh, micellaire! C'est un beau duo offert à notre public en studio.